Alors, Noël Sandoz, présidente de Nonant Environnement, est-ce que vous pouvez nous confirmer que Nonant-le-Pin et sa région va être rayée de la carte purement et simplement en termes de social et économique? Ah, si le projet se fait, c'est sûr, c'est chronique de mort annoncée. C'est-à-dire que comme il n'y aura plus de travail parce que la filière cheval va disparaître, et ben le village va mourir, il n'est déjà pas tellement formidable. Et les régions aux alentours, à quelques kilomètres. Oui, exactement. Et puis le problème, c'est que nos maisons ne valent plus rien, mais on ne peut pas s'en aller. On aimerait bien, enfin je ne dis pas ça pour moi parce que je suis dans le combat, mais j'ai rencontré au supermarché une petite dame qui pleurait parce qu'elle cherche à vendre sa maison pour aller dans une maison de retraite et les agences immobilières ne se déplacent même plus. On lui a dit, madame, votre maison, c'est zéro. Donc c'est quand même très grave. Alors la mort, elle va être sur le plan économique, puis elle va être sur le plan de la santé. Vous allez écouter le docteur Lenné qui va vous dire que de toute façon, si on ne meurt pas parce qu'on devient un pauvre, on meurra parce qu'on aura un cancer. Voilà ce qui nous attend. C'est formidable. Merci.